Le pope m'a interpellé en me disant, écoute, t'es président de famille rurale, Colette, elle œuvre à famille rurale, elle va recevoir le prix, mais elle ne peut pas être là ce soir. Est-ce que tu peux venir le recevoir pour elle, hein? Ça se fait pas. En plus, je boite pas ces temps-ci. Oh, salaud! Ça sera. Et Colette, elle est aussi adhérente à Famille Rurale. Alors, à Famille Rurale, elle fait. Comme beaucoup de la sauce, hein, elle fait des milliards de choses en tant que bénévole. Et notamment, quand je vois Colette, je pense aux dons cachés, où elle est à l'œuvre. De façon régulière. Et puis, Colette, vous avez l'occasion de la rencontrer, ou si vous ne l'avez pas encore vue, vous venez, parce qu'on a du théâtre, on a commencé tout petit, enfin, quoi qu'on commence jamais petit, on a commencé le théâtre avec Famille Rurale, avec les petits au début, et puis les petits ont grandi, donc elle a dit, je vais continuer avec les petits, mais je vais faire un groupe d'ados, puis les ados ont grandi, puis ils sont devenus adultes, et puis les parents qui voyaient les ados faire, se sont mis, donc maintenant, aujourd'hui, Colette, elle s'occupe du théâtre pour les petits, du théâtre pour les ados, puis du théâtre pour les adultes. Elle fait partie du comité de territoire, donc qui est organisé par le biais de Famille Rurale, sur notre territoire de la Comcom, où au niveau de Famille Rurale, on est un des rares comités de territoire qui a autant de punch et d'activité, d'essayer de mettre des choses en place, ou en tout cas les associations Famille Rurale sont réunies et travaillent main dans la main pour essayer de faire des choses qui peuvent être sympas entre elles. Donc Colette, c'est aussi elle qui nous représente dans ces moments-là. Et puis Colette, c'est tout un boulot de l'ombre. C'est des photocopies, des photocopies, des photocopies, des distributions ici, des distributions là, des coups de main, des gâteaux, du vin chaud. Enfin, ça n'arrête pas. Quand on a besoin, on n'a pas le temps d'avoir besoin, que c'est déjà arrivé. Donc en fait, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, sauf que je trouve que c'est plutôt bien de lui remettre le prix. Et puis je vous demande juste pour elle un petit dernier applaudissement.